cet endroit est top pour les sports nautiques parce qu'on a vraiment accès à la mer par marée haute dans un endroit protégé. Enfin, c'est un endroit génial. Des fois, on fait un cours, on voit le phoque qui pointe le bout de son nez ou les oiseaux qui se baladent sur le banc de sable. C'est assez sympa de voir cette diversité. On voit bien que c'est un lieu important pour la migration des oiseaux. L'estuaire de l'Orne, c'est un refuge pour beaucoup d'oiseaux qui sont haltes migratoires. On est au carrefour de rencontres entre des oiseaux qui vont arriver du nord de l'Europe et puis ceux qui arrivent de Grande-Bretagne, et en fait ils arrivent pile dans l'estuaire de l'Orne. Et notamment sur le front de mer, qui est une zone où certaines espèces ne veulent pas du tout rentrer dans les terres et vont rester concentrées sur la plage. L'arrivée de ce banc de sable leur permet de rester au plus près de leurs ressources de nourriture, d'avoir un très grand espace pour voir si jamais il y a un danger qui arrive et de se sauver s'ils sont dérangés. Au gré de la saison, on navigue, on n'est pas tout seul. Donc ça veut dire qu'on cohabite avec des tas d'espèces. Au final, on aura toujours une contrainte de dérangement par nos activités colorées, nos activités parfois bruyantes, en groupe. On est conscient qu'il y a une richesse ici. On ne perd pas l'idée qu'il faut qu'on cohabite avec ces espèces qui étaient là avant nous. Sur cette zone de protection renforcée qu'est le banc des oiseaux, dans ce périmètre, il est interdit d'y pénétrer, et donc à marée basse ou à marée haute. Et puis à marée haute, les activités nautiques en fait, ne doivent pas rentrer dans ce périmètre, au-delà des bouées et du grillage, pour préserver la quiétude de ces oiseaux. Il encourt une amende si jamais on est pris dans cette zone. Sur l'eau, c'est très facile de repérer la zone. Elle est encadrée par des poteaux et des bouées jaunes. On voit tout de suite les bouées, et quel que soit l'accès par lequel on arrive, c'est très visible, quoi. On constate que les effectifs cumulés sur la ZPR en fait, ne cessent d'augmenter depuis la création de cette ZPR. La ZPR, elle est là depuis quelques années, elle est définie, on la connaît. Elle est aujourd'hui, elle est un atout pour nous. Nous, ça nous fait un espace de navigation autour qui reste hyper confortable.